C'est une perche. Non, c'est pas grave. Allez, hop. Non, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète. Putain, ça fait tellement du bien. Putain, la boitasse. Oh la vache. Oh, ça fait du bien, putain. Il y a un aimant là-bas, tu le raccroches à l'autre. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien. Putain, elle est magnifique. Oh yes. Très en matière, ça, les petites perchettes. Tiens, regarde-moi ça, c'est de la laitance qu'elle largue. Allez, hop. Vas-y. Vas-y, ma belle. Hop, voilà, parfait. Allez, tiens. Fonce. Va grandir. Tellement content, vas-y, c'est trop bien. En plus, fit Matteo et Tom, c'est trop bien, je te jure. Fit Matteo et Tom, c'est trop bien. Regarde-moi ça. Ça nage tout seul, les Easy Shiner, c'est trop bien. En plus, coloris bleu, pff, ils en voient jamais. Je vais te dire là. Une petite perche. Ouais, on l'a pas mesuré, mais elle fait 25. Je m'en fiche, moi. Une dédicace à Alan, qui a fait une 38. Puis encore là, on est. Je pense que la vidéo elle sortira après l'ouverture du carnat, donc si tu regardes. Oui. N'empêche que je devrais sortir le drop shot. Bon. Ah, ça donne. Il y a des petites carpes, mais il y en a pas beaucoup. Il y en a, mais c'est. Ça mord au leurre les brèmes, mais jamais quoi. Ouf, non. Elle faisait 20. Dommage. Ah, là, de la louper cette foutue perche. Oh, il y en a marre là, hé. Hey. D'ailleurs, c'est même pas un crank, c'est un long bilmino. Non, non. Mais putain. Putain, elle est vraiment là, hein. Un coup de ou alors c'est vraiment un cendre. Ou je sais pas, j'en sais rien, je m'en fiche. Bon là il est complètement éclaté, regarde le dos. Et One Up ça nage aussi à l'envers. Hein. Mmh. Ah, ça devrait tenir quand même. Un peu. Il y avait un leurre qui s'appelait le Woody Michel. Là je l'ai. Mais putain. Mais c'est une blague ou quoi? Que je passe un coup au Rock Vibe. Mon Rock Vibe bon 1,2. Putain, incroyable, elle est vraiment waouh. J'ai un rock en 1,2. Incroyable. Elle fait combien? Elle se paye ma tronche de perche. Incroyable. Elle fait combien tu penses? 20. Petit. Bah, si je le passe mon 1,2. Il commence à n'en plus pouvoir. Pas du tout. Hein? Attends, bah, tu l'as ton téléphone, tu vois? Mais il dit 20. Mais non, mais ça, c'est le téléphone à Mathéo. Ouais, ouais. Allez, tant pis, je décale. Bon, alors, yo les potes, aujourd'hui, on va se retrouver donc pour une vidéo assez spéciale parce que, avec les potos, on a entendu, comme beaucoup de monde sur Facebook, que Nature 27 à Verneuil-sur-Avre nous a mis une extension donc de Nature 27 sous un autre nom à Évreux. Du coup là on va chercher le dernier pote, après bah, direction je crois que c'est territoire eau et nature, un truc dans le genre, je vous mettrai ça en description et avec la page Facebook qu'ils ont aussi. C'est un gros magasin les gars, on va pouvoir faire des présentations de l'heure à mon avis, parce que là franchement comment vous dire que là c'est vraiment le magasin d'Évreux quoi, c'est clair. Il y a Décathlon juste à côté, pas très loin en tout cas. C'est vraiment complémentaire, franchement il y a moyen de faire des achats dans les deux. Et du coup je pense que voilà, si vous voyez cette vidéo n'hésitez pas à aller y faire un tour, ou même sur la page que je vous mettrai en description, parce que là franchement ouais. Ouais, franchement là je vous dis à très bientôt pour les vidéos. Merci Mathéo pour
peut maintenir les caméras quand même. Moi aussi, on est en compagnie de Tom derrière. Et là, on va aller chercher Méziane. Et on vous reprend dès qu'on a été le chercher. Ouais. Alors les poteaux, là les gars, on a du lourd. Doucement, tu vas doucement. Allez, vas-y, fonce. Ils nous ont même pas vu, putain. Non, on regarde le processus. Non, ne le dis pas, ne le dis pas. T'approche pas. T'as pas enlevé encore l'étiquette qui est sur ta casquette. Même pas, moi. Je l'ai vu tout à l'heure, il était posé là. Je l'ai déclenché, il est parti. Je vais le passer par là-bas, moi. Voilà. En douceur. Je vais mettre celui-là, on va voir si ça va casser. Il est parti sous le pont. Ouais, il est sous le pont, T'as pas un petit ciseau, Léo, s'il te plaît? Si. Pour remplacer celui-là. Celui-là, vous, pour embrocher, il est pas mal. Pourquoi pas, ouais. Il me semble que je le revois, quoi. Ah oui, il est là-bas. Tu vois, là? Dans le trou. Poisson. Perche. Au Dark Sleeper. Putain, que de la gueule. Hop. C'était pas prévu, ça. Bon. Tiens, attends. Eh, doucement. Oh lolo. En plus, je filme. C'est du grand art. Prends de la gueule. Comment c'est mis du... Les 25. Non, 30 plus. 30 plus, je m'en fiche. 35. Doucement. Eh, attends. Petite photo. Tac. Une petite photo comme ça. Allez, c'est bon. Hop. Je vais la mettre là, juste dans le creux, tiens. Eh. Comme ça, hop. Petite perche de 30-32. Voilà, hop, allez, hop, au revoir. Allez, tiens. Léo ? Ouais. Ciseau, s'il te plaît, et tiens. Ouais, t'as raison. Putain, la boîte qu'elle m'a mis quand même, légère, mais ça va. T'es cool. En plus, j'ai le film. Léo ? C'est génial. Léo ? Tiens. Tape. Il y a beaucoup de perches. Vas-y, j'y ai. Bah, les perches, c'est pas mal, hein. Léo, je change mon ordre. Non, il attends. Rose, non, tu l'enlèves pas. Ok. Regarde, je suis pas très loin. Il a gobé tout. Le fil tout, regarde. Putain, il doit avoir de la gueule, ce poisson. Ça, c'est couillon, ça, j'ai pas filmé. Ah, ça, c'est couillon. Bon, ah, c'est pas la mort. Mais de toute façon, je m'en fous. Qu'est-ce que c'était cool. Oh, le petit Dark Sleeper, franchement, il mange, lui, celui-là. Bien. J'ai pas l'impression. Non. Ah, ça a sauté là. Ça fait quoi? Là, je l'avais. Putain. Oh, mais... oh là là. Putain, ça commence à m'agacer. Est-ce que s'il y a une perche, tu peux essayer de la faire après? Non. Putain. Je vais éviter d'aller trop loin. Ils sont à l'entrée. Je te jure. Putain, trop bien. Poisson. Il a fait une perche. Doucement. Putain, trop bien. Avec ta virgule. Hein? Bah ouais, la virgule. Bah ouais, la virgule. Trop fort. Tiens, voilà. Content? Hein? Ouais, quand même. Vas-y, tiens. Vas-y, prends-moi une petite photo et tu me l'envoies. Non, vas-y, tiens là en dessous. En dessous. Voilà, comme ça. Ça doit faire... Aïe, aïe, aïe. Ton sac, il est grand ouvert. Hop, tu te relèves-toi parce que là tu vas faire tomber toutes tes boîtes dedans. Oh la vache. Allez, vas-y, release, maintenant. Ouais, voilà, très bien. Pas grosse du tout. En parlant du loup, hein. Bon, ça va, attends, hé, doucement. Non, mais t'inquiète, oui, voilà. Bah, j'ai pas mon téléphone, tiens, c'est pratique. Allez, hop. Tiens, prends ton téléphone, si tu l'as dans le coin. Ouais, il est là. Bah tiens, prends-moi une photo. Ah bah Léo, t'es le meilleur. Ah, je suis pas le meilleur, j'en ai rien à secouer. On va voir la moyenne des poissons que tu fais pour rigoler.
Vas-y, 22, on s'en fout. Franchement, qu'est-ce que je m'en fous. Eh hey, tiens, vas-y, prends une photo, allez, voilà, c'est bon. Hop, ouais. Allez, release. La release. La release subaquatique, ou pas. Oup, allez, hop, au revoir. Tiens, c'est bien. Allez, tiens, toc. Si on décalait. Hein? Avenue Foch. Ça vous dit ou pas? Rien. 18h. Non, mais vu, on décale de ce J'ai une idée. L'impasse.